Tout d'abord, en fait, félicitations, c'est un super film, très 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 fort. Mais il y a juste une chose qui m'a gêné un peu. Donc, on est dans une année d'élection et moi, j'ai vu ça de l'œil d'un étranger un peu. Et je me dis, ah oui, moi, peut-être je vais me voter Le Pen après ça, quoi. Parce que, voilà, parce que les cités, les gens dans les cités... Moi, je viens d'une cité en Irlande. Ça démarre fort. Moi, je viens d'une cité en Irlande. Voilà. Attendez, laissez monsieur finir. Non, allez-y, finissez, monsieur. Voilà. Et alors, peut-être c'est une blague prévue, mais peut-être que ça ne se... Je vais terminer la question. La question, c'est en fait, à part de le petit garçon, le petit bête sauvage qui est dans la voiture de la police et qui est calmé que par le rap et tout ça, il n'y a que des gens de la cité qui sont que de bêtes, quoi, en fait. Et ouais, c'est une vue qu'on a toujours de la média française, toujours de la presse française. C'est les zones de qu'on ne peut pas passer, que les zones qui est hors civilisation, des zones qu'il faut réimposer la loi française, voilà, mais qui est hors de l'ordre. Et pour nous, le film est super, mais quand même, il y a un problème là. Et on est dans une année d'élection. Et donc, vous avez pensé un peu de... J'étais gêné, vraiment gêné. Hein. Je n'étais pas le seul.